Salut à tous, je suis en présence de Monica. Salut. Alors, je voulais juste vous montrer quelque chose d'intéressant, à savoir un squat. Parce que souvent on se dit, bon, les SDF finalement, où ils vivent? Les personnes en galère, comment elles font pour se démerder la nuit, quoi? Et là, quand je vois le quartier, je vois surtout cette trappe. Parce que là, je suis avec une personne justement sans abri qui va nous ouvrir la porte, qui est un peu en galère, même beaucoup en galère. Et tu étais en train de nous montrer en nous disant, bah, regarde mon squat, quoi. Et c'est ce qu'on va faire. Mais on va l'accompagner, en tout cas, on va voir un peu où il vit. Tu nous ouvres la porte, entre guillemets. Vas-y Monica, je t'en prie. Merci. Fais gaffe. Hein. Fais gaffe où tu mets les pattes, Monica. Oh putain. Oh. Putain, c'est... Alors, attends-moi juste que je suis pas éclairé là. Vas-y. Poussette en plein milieu. On pourrait peut-être la jarter d'ailleurs. Non, les flèches. C'est pas grave, c'est comme okay. Ça. Je mets la lumière. Ah, je me suis tapé la tête. Putain, ça pue la pisse en plus. Ça pue la pisse, bordel. Non, non, c'est bon, je suis habitué à prendre des coups, t'inquiète. Malheureusement. Oh, comment c'est quoi ça? Ah David, c'est quoi? Il y a des gens qui squattent ici aussi? Avant, il y avait plusieurs squatteurs. Ouais. Putain, mais c'est d'un insalubre ce truc. Voilà la lumière. Merci. Avec ça. Ouais, les gars. Continue avec ça, ouais. Sinon, ça s'écroule. Ah, faut pas toucher, sinon ça s'écroule. Putain, en plus, on prend des risques, bordel. Ah, c'est cool. Non mais sans déconner quoi. Sérieux, c'est là où tu vis. Ouais, non. Et franchement, t'es courageux. T'es courageux. Et ça, c'est ton petit déj. Ce que tu bouffes. Ok. Ouais. Bon. Mon David, j'ai envie à la fois de te féliciter pour ton courage et à la fois. Il y a une souris, là. De quoi? Il y a une souris juste à côté de la canette. Ah, il y a une souris. Ah, il y a des souris partout ici. Ah, oui, ah merde, j'avais marché sur mon lit. Bon, allez où? J'ai mis sur mon lit. Ah ouais, d'accord. Ah putain, elle est partie là-bas. Oh. Ok. Ouais, entre l'odeur de la pisse, les souris et l'ambiance générale, ouais, t'es pas dans... C'est pas le grand confort, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a marqué, là? J'ai beaucoup d'amour dans mon humour. C'est toi qui l'as tagué? Non. Seul l'amour peut battre la haine. Seul l'amour peut battre la haine. Ça, c'est un slogan à retenir, ça. Ça, c'est pas mal. Ouais, et c'est si vrai en plus. Ok. Ok, bah, merci pour la visite guidée. Hein. Bon, bientôt sera comme un mauvais souvenir. Mm. Tu m'étonnes que t'aies envie de changer d'air, putain. Oui, Monica. C'est pas. Ouais, non, c'est pas possible. C'est juste incroyable. Oui. Et bon, à la fois, voilà, t'es pas dehors non plus. Ouais. C'est le point positif. Faut voir toujours du positif dans le négatif. Et là, du coup, il y a d'autres pièces. On va faire un petit tour quand même. Oh, con. Oh, ça tient, ça? Oui, ça tient. Là. Ouais. T'as pas l'air confiant. C'est en train d'étage, ça a du mal à tenir. Ah, d'accord, ok. Trop. Mais encore, il y a personne qui squatte ici en ce moment. Putain, tu la sens cette odeur de pisse? Ouais. Profonde. Ouais. Oh là. C'est quoi ce bordel? Ah! Ben voilà! Petit balcon! Super! Ah putain, on est carrément sur les toits en fait. On est sur le toit du rez-de-chaussée là. Il y a le rez-de-chaussée juste en bas. Ok, d'accord. Oh, c'est chaud. Bon, mais. Ok. Ouais, je comprends, ouais. Je comprends mieux maintenant. Putain, et là c'est chaud parce que tout tient avec ces barres. Ouais, non, tout tient des barres. Ça tient vraiment à peine, quoi. C'est chaud. Et là-haut, il y a combien? Il y a un étage encore? C'est chaud. J'arrive à compter. Vas-y, mets-le. Ouais, c'est vachement bon.
jusqu'au compte, il y a 3-4 encore. Ok. On voit encore des jeans là-haut. Bon. Il y a les mondes aussi, D'accord. Bon, je tiens juste à vous dire qu'un jour, vous vous rappellerez de cette vidéo, parce qu'il y aura un contexte très particulier dans le futur, et vous comprendrez pourquoi. Et je suis fier de dire ça, parce qu'il y a David ici, et vous serez certainement agréablement surpris un jour. Et ce jour va arriver dans certainement très peu de temps. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Voilà, tu sais que j'ai un slogan qui dit « on ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un ». Ouais. Tu l'approuves ou pas ? Ouais. Bon, c'est cool. Allez, bah écoute, si on n'est pas mort avant notre arrivée, c'est nickel. C'est cool. Oh putain de bordel. Bon allez, bye bye.